que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Et ayant été troublé, il sera émerveillé. Et il règnera sur le tout. L'antique sagesse est aussi vieille que l'humanité. Pourtant, l'on n'en retrouve nulle trace. Les écrits qui en parlent ne peuvent la transcrire. Aucune clé humaine n'y donne accès. La sagesse est une plénitude de rayonnement. Seul celui qui transfigure son être peut y pénétrer. Et l'on pourra toujours l'atteindre, car ses rayonnements tiennent enlacés notre terre. Oui, comme la lumière et la force du soleil, elle nous inonde sans cesse. On l'appelle parfois la Sophia, celle qui pense dans le silence. Sa force rayonne dans le silence de l'être, dans l'abîme du monde. Elle touche chaque homme et à chaque instant de sa vie lui pose trois questions. Qui es-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Qui ne pouvait répondre, dit la légende, était dévoré vivant, c'est-à-dire renvoyé aux éléments, lié au destin. Son sort fixé, son avenir tracé, expérience, souffrance et mort, fruits amers de l'oubli. Te souviens-tu quand ces trois questions se posèrent à toi pour la première fois ? Il y a si longtemps déjà, ta révolte, ton désespoir de ne pouvoir y répondre. Qui suis-je donc? Ce corps, ces pensées, ces désirs qui m'agitent? Si la terre est le pays promis, pourquoi errons-nous? Que recherchons-nous si désespérément? Quelle chose s'est perdue? Qu'avons-nous oublié dans le temps? Quel est ce vide en nous que nous ne pouvons remplir? N'es-tu pas sans cesse à la poursuite d'autre chose? Une chose qui fuit devant toi? La vie est un voyage, une course éperdue en avant vers un inconnu qui sans cesse se dérobe. Et la mort engloutit tout, espoir et illusion. Lorsqu'elle apparaît, blafarde, au crépuscule, l'âme pétrifiée voit défiler devant elle le spectacle des choses passagères, étrangères, vaines, qui l'instant d'une vie l'ont subjuguée. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dans le miroir de l'éternelle sagesse, rien n'est apparu. Mais qui se trouve derrière tout cela? Qui se cache dans le vide, dans l'espace inviolé du cœur? Qui est dans le milieu? Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Derrière tout cela se trouve l'homme. L'homme vrai du commencement, qui est de Dieu et veut retourner à lui, qui veut se manifester mais ne le peut pas. Et la roue de la vie et de la mort continue à tourner en grinçant, entraînant l'âme enfermée dans le corps, et l'homme vrai en nous essaye de sauter dessus, il essaye de faire signe. Vie après vie,
Il lance un appel dans l'abîme de notre être. Et lorsque cette vie nous brise, et que l'âme frissonne devant les souffrances d'un monde qui n'est pas le sien, l'espace d'un instant, nous l'écoutons. Notre cœur nous accuse, nous harcèle. Le feu de la ressouvenance nous saisit, devient brasier. Désir incommensurable de délivrance qui laboure tout l'être. Vois ce qui est advenu de moi. Regarde-moi. L'obscurité m'entoure de toutes parts. Libère la lumière en moi, ô âme, afin que je vive. Ainsi s'adresse-t-il à l'âme, sa messagère. Ainsi l'envoyé s'adresse aux hommes. Réveillez-vous, enfants de la lumière, fils du feu. Rentrez à la maison. Notre existence n'est-elle pas une injure à sa face, une ignorance de sa vie, un oubli, une fuite? Où courez-vous, homme ivre? Vous avez bu le vin de l'ignorance et vous ne pouvez le supporter. Déjà, vous le rejetez. Arrêtez-vous. Devenez lucide. Regardez de nouveau avec les yeux du cœur. Si vous ne le pouvez tous, du moins ceux qui le peuvent. Car le fléau de l'ignorance submerge la terre entière, met en péril l'âme enfermée dans le corps et l'empêche d'entrer dans le havre du salut. Ne vous laissez pas emporter par la violence du courant. Cherchez celui qui vous guidera vers les portes de la gnose, d'où rayonne la lumière limpide, où ne règne nulle ténèbre, où personne n'est ivre, où chacun reste lucide et lève les yeux du cœur vers celui qui veut être connu. L'homme originel, l'homme céleste d'avant le commencement sans fin, reçut un jour la noble tâche de faire surgir de la matière la magnificence du plan de création qu'il portait en lui-même. Tous les éléments de la nature lui furent livrés dans le grand laboratoire alchimique du monde. Que le chantier était merveilleusement beau et respirait la haute raison, il oublia sa vraie demeure et sa mission première. Dans ce jardin des dieux, il se vit lui-même au centre de ses merveilles. Lorsqu'il vit sa propre image se reflétant dans l'eau, il aima et voulut vivre en elle. Alors il advint que la nature, la matière, le saisit et se confondit avec lui. Et l'homme céleste, qui avait accepté le jardin des dieux comme un palais des dieux, y resta emprisonné. C'est pourquoi, seul de toutes les créatures sur terre, l'homme est double, à savoir mortel selon le corps, immortel selon le principe céleste.
Alors commença une longue errance à travers le temps et l'espace. L'homme emportait avec lui, dans la mémoire de ses atomes, l'ordonnance et le plan de l'univers entier, avec toutes ses forces et ses mystères. L'homme, ce cosmos en réduction, ce microcosme, coupé de l'unité, expérimenta de plus en plus profondément la matière et la multiplicité. S'éloignant toujours davantage de sa première demeure, il devint ce naufragé du cosmos, s'agrippant aux débris d'une conscience fragmentée, à laquelle il s'identifia de plus en plus. Cet être omniconscient et créateur sombra de chute en chute, jusqu'à n'être plus qu'un corps temporaire soumis à la mort. Finalement, il oublia jusqu'au souvenir conscient de son passé. Alors, au centre du microcosme, ne subsista plus qu'une étincelle vivante, un vestige de la splendeur originelle. Et c'est pourquoi, à certains moments, il pose parfois la tête sur le sable de quelque désert, et plein de nostalgie se sent étranger à ce monde, que ses sens voudraient lui imposer comme seule réalité. À cette plainte de l'âme, et à elle seule, il est répondu : ce monde n'est pas notre monde. Essaie de te souvenir. Jadis, existait quelque chose qui ne se trouvait pas dans ce champ de vie terrestre. Un ordre du monde primordial. Un ordre humain des fils de Dieu. Ce qui a été sera de nouveau. Il n'est nul besoin de fonder ce royaume. Il est. Mais il n'est pas de ce monde. Là se trouvent les fils de la lumière, la fraternité des âmes libérées, unies à Sophia. Là demeure la force d'amour universelle, la sagesse. Cette moitié pure et inconnue du monde, nous n'y entrons pas quand nous rendons notre dernier soupir. Elle reste inconnue à ceux qui servent la grande illusion. Seuls les vivants y pénètrent. Dans la moitié pure et inconnue du monde, une œuvre grandiose de délivrance s'élabore. La longue chaîne d'or délibéré de la lumière traverse l'histoire. Un pont est chaque fois jeté entre l'éternité et le temps, entre les domaines de la sagesse et l'humanité. Krishna, le Bouddha, Lao Tse, Zoroastre, Hermès, Orphée, Pythagore, Socrate, les prophètes Ézéchiel et Daniel, tous prédisent l'incarnation de la lumière. Christ. Tous prodiguent un seul enseignement, une même sagesse qui n'est pas de ce monde, la sagesse des parfaits.